de cette célébration eucharistique pour le pape en particulier, mais aussi pour tous ceux qui exercent un poste de responsabilité quelconque, afin que le Saint-Esprit les soutienne et les fortifie dans l'exercice de leur charge. Veuillez vous lever pour accueillir le cortège du CDP. La neuvaine à la Sainte Trinité, la solennité de la Sainte Trinité, et comme elle a dit, au dogme de la Sainte Trinité, dogme de foi et de vie chrétienne, de notre vie chrétienne des catholiques. Au même moment, nous continuons la neuvaine à l'Esprit Saint, le Sénat préparatoire à l'inhabitation des dons de l'Esprit Saint en nous à la Pentecôte. Moment de grâce, moment d'action de grâce aussi au Seigneur pour tant de grâce qu'il nous accorde, lui qui est pour nous un Père. Un Père plein d'amour, un Père plein de tendresse. Et c'est ça la Trinité, l'amour. Je suis en toi, Père, et tu es en moi. Cette communion du Fils et du Père se réalise dans l'Esprit Saint. Demandons au Seigneur de nous donner la foi des enfants de Dieu, afin de croire, d'adhérer et de vivre dans cette communion à Dieu, Trinité, Dieu, famille, et de vivre à notre tour dans un esprit de communion, dans une vie de famille. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en demandant à l'Esprit Saint de faire de nous des fils et filles d'un même Père, d'une même famille, de nous donner les grâces, les besoins, chacun, pour vivre cette filiation en Dieu, de nous donner la force nécessaire pour nous débarrasser de ce qui nous empêche de rentrer dans la communion à Dieu et dans la communion ecclésiale.
Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur Dieu, en glorifiant ton Christ et en donnant la lumière de l'Esprit Saint, tu nous ouvres les portes de la vie éternelle. C'est qu'en participant à une telle grâce, nous soyons plus dévoués à te servir et obtenions une plus grande foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.